tous ces bijoux pour les donner à sa belle Diane. Ah, on me disait bien qu'il devait y avoir une femme là-dessous. C'était certes pas pour nous les donner, hein, ces bijoux. Il avait envoyé acheter un tonneau d'SB du jour et je ne le vois toujours pas rentrer. Pas pour sûr. Je l'ai vu très loin avec le gouvernement. Rentrer un petit peu là-dessous, du côté de la taverne. Oh, ça, celui-là, il va voir quelle fois je me chauffe. Hein. Depuis que son concert est parti, tu me son âme. Il n'y a plus rien à en tirer. Heureusement que j'ai ma petite Marie qui est toujours prête à la tâche. Mais elle est encore bien chétive, la tienne. Mais c'est une brave petite pas serviable. Mamie, mais qu'est-ce que tu veux, moi? Avec ce que je gagne et toutes ces taxes qui nous tombent dessus, moi j'ai pas grand-chose pour faire bouillir ma marmite. Oh, regarde donc la nuit. Voilà ta maîtresse, la poussette, la femme de maître Perrin, le drapier. Que fait-elle donc dehors de si bon matin? Ah, c'est possible. Savez-vous ce que maître Philippe, le colporteur, est venu me conter? Je vous écoute, père Joseph. Il paraît que des placards ont été apposés un peu partout, à Paris, Amboise, Tours et Orléans. Et même jusque sur la porte de la chambre du roi François Ier, en son château de Blois. Et que disaient ces placards? Il s'agit d'écrits injurieux et séditieux à propos de notre sainte religion catholique et de notre sainte mère l'Église. Mais qui est-ce qui les rôles de bien? Je vous offre la chaîne à durée. Prenez-le, sire, et que mon honneur me soit rendu. Monsieur, abandonnez le combat. Jamais! Je te bouge, je te tuerai. Dis-moi donc! Sire, il se vide de son sang. Vous avez fait votre devoir, Jarnac, et votre honneur vous est rendu. Qu'on élève le seigneur de la Châtaigneraie maintenant.
roi va maintenant prêter serment. Sire, nous vous demandons de nous octroyer à nous évêques, hommes d'église et à toutes nos églises, de conserver le privilège canonique, loi et justice. Va maintenant recevoir les insignes de chevalier, l'épée et les éperons d'or qui feront de lui le bras séculier de l'église. Sire, prenez cette épée qui vous est donnée avec la bénédiction de Dieu, par laquelle, en vertu du Saint-Esprit, vous puissiez en user pour la défense et protection des églises, des veuves, des orphelins et de tous les chrétiens. Résistez et repoussez tous vos ennemis et tous les adversaires de la Sainte Église catholique. Sire, prenez ce sceptre en signe de la puissance royale afin que vous gouverniez bien vous-même. Également la main de vertu et équité, par laquelle vous sachiez assurer les bons et faire craindre les mauvais, enseigner le chemin aux dévoyés, tendre la main à ceux qui sont tombés, rabaisser les orgueilleux et élever les humbles. Préparez-vous pour les jeux.